est une des pièces finalement qui a beaucoup collaboré de Berlioz. Et Godefroy connut Berlioz, qu'il admira beaucoup d'ailleurs lors d'un de ses concerts aux Tuileries. Il faut savoir que la harpe classique est un instrument qui est assez récent en fait. Parce que Sébastien Érard en inventa le système définitif en 1812. Et à partir de 1812, la harpe se développe et grâce à des grands solistes comme Elias Paris-Chavars et Félix Godefroy, dont vous allez entendre la danse des sylphes. Et c'est certainement grâce à eux que la harpe est aussi si bien représentée dans l'orchestre. Alors Berlioz n'a rien écrit de soliste pour la harpe, enfin pour harpe seule, mais il a largement utilisé la harpe dans ses pièces pour orchestre, comme dans La Fantastique par exemple, c'est la première chose qui me vient à l'esprit dans Un bal, ou encore dans son opéra Les Troyens où il en met 6, avec la même folie des grandeurs que Wagner.